Salut tout le monde, Raoul Villeroi au micro. Très heureux de vous retrouver. Très bonne année à tous. Bienvenue dans ce podcast numéro 337. Je suis avec Grégory Richard. Salut Grégory. Salut Raoul, bonjour à tous. Bonne année à toi. Meilleur vœu, tout à fait. Merci. Merci. On est toujours évidemment avec Camille Sarabane à la Technique. Salut Camille. Salut. Et bonne année à toi aussi. Euh, on est là, comme tous les jeudis, avec Unibet qui est partenaire pour ce podcast. Votre détour obligatoire pour les paris en ligne sur la NFL. Inscrivez-vous en passant par le site si ce n'est toujours pas fait depuis le temps qu'on vous en parle il serait temps et euh, profiter des matchs de Divisional directement en streaming sur le site euh, d'Unibet avec un compte approvisionné et restez jusqu'à la fin de l'émission pour nos meilleures cotes sur ce week-end il n'y a plus que 8 équipes en lice euh, Grégory euh, on attaque cette, domaine, cette semaine de Divisional Round en AFC on a des favoris en NFC, c'est peut-être un peu plus ouvert, c'est ce dont on va parler tout de suite. On va parler des quatre matchs euh, dans l'ordre chronologique. On fera un petit point sur les pronos et on finit par les meilleures cotes. On vous l'a dit, c'est parti pour un nouveau podcast. On Commence les matchs de ce Divisional Round avec le premier qui aura lieu samedi à 22h35. C'est San Francisco 49ers face aux Minnesota Vikings. Les 49ers qui avaient fini premier de leur euh, conférence et les Vikings sixième. Tiens, d'ailleurs, petite stat pour toi euh, et pour vous aussi, chers auditeurs. Cinq équipes classées sixième sont déjà passées en finale de conférence dont Green Bay en 2010, l'année où ils avaient gagné le Super Bowl. Donc c'est possible d'être mmh. euh, sixième et de, de oui, gagner. J'en je, ai un lointain souvenir, ils, ils, avaient pas, ils avaient fait un passage un, assez dévastateur par le Giorgio à l'époque. Ouais. C'est possible. Euh, Pittsburgh aussi, il l'avaient fait en 2005. Tiens, ils avaient fini oui. sixième de leur conférence. Est-ce que les Vikings vont réussir cet exploit C'est la question qu'on va se poser maintenant. Euh, il faut passer la grosse défense de San Francisco, qui encaisse en moyenne 280 yards euh, cette saison. C'est une très grosse ligne défensive. Est-ce que euh, Kirk Cousins est le on peut dire le baromètre de cette attaque des Vikings Est-ce que s'il est en forme, ça passe Est-ce que s'il n'est pas en forme, ça passe pas Est-ce que tout dépend de lui, Grégory Alors, déjà, si tu me permets, parce que je ne vais, vais pas empiéter sur la suite de, de, du conducteur, ou en tout cas de ce que tu as évoqué, mais c'est vrai que ce qui est intéressant sur cette affiche-là, et ce qui la rend, à mon sens, la plus indécise, c'est que ces deux équipes qui vont... Beaucoup se ressembler. Donc, je pense qu'il y a des tout à fait. interrogations qu'on va avoir sur l'attaque de Minnesota, qu'on aura vu. sûrement également sur San Francisco. Euh, Kirk Cousins peut être un baromètre, d'autant plus que Kyle Shannon l'a coaché vrai. à l'époque de Washington. Donc, peut potentiellement, même si c'est un joueur qui, qui s'est développé depuis que Shannon est parti, voilà, il s'est passé tout un tas de choses, mais c'est quand même un joueur dont Shannon peut potentiellement connaître quelques points faibles. Et. Voilà, être susceptible d'en glisser deux, trois mots, on dira, à Robert Salé, ce n'est pas, pas ce qu'elle peut farfelu. Dans l'autre oui. sens aussi, tu peux, tu peux me dire, à ce moment-là, Cousins connaît un peu Shannon et sa manière de coacher, et peut-être peut donner à Max Zimmer, qui est en plus un coach un peu défensif, un peu, euh, quelques éléments de... Ouais, après, penser, je ne suis pas sûr que Dean aura exactement cette, cette vision-là oh. et cet impact-là euh, à terme. Ce sera moins possible que pour, que pour Shannon qui va se coûter tout au long de la semaine. Après, en l'occurrence, Dean voilà, sera forcément un point important. On a vu que face aux Saints, en effet, il avait été solide, assez solide. Pardon. Après, c'est vrai que cette attaque de Minnesota... Euh, on sait qu'elle est quand même très dépendante du jeu au sol. On a de nouveau vu un Dalvin Cook assez précieux euh, sur, sur le match du côté du Superdome. Et c'est vrai qu'au niveau de l'attaque aérienne, à mon sens en tout cas, j'ai trouvé que sur le match du côté de, de la Nouvelle-Orléans, c'était beaucoup, euh, on va dire, euh, du jeu très court ou alors des passes profondes. Et ils font d'ailleurs souvent la différence sur des jeux profonds. C'est le cas notamment en prolongation avec le catch décisif d'Adam Thielen. Et c'est vrai que ça là-dessus, San Francisco, sur le jeu profond, sur la défense vraiment contre la, contre la passe, euh, si on va dire sur des, sur des lancers de plus de 20 yards, c'est une équipe qui est rarement prise à défaut depuis le début de la saison, euh, qui s'en est pas trop mal sortie par exemple sur ce match à Los Angeles euh, un peu plus tôt dans la saison régulière. Donc à ce niveau-là, c'est vrai qu'il y aura quand même une petite question sur Kirk Cousins, qui en effet euh, montre une certaine aisance cette saison, notamment dans, dans encore une fois ce jeu un petit peu plus long. Mais qui là va tomber sur une équipe capable de, de l'enquiquiner un petit peu. D'autant que, je te coupe, parce que euh, Diggs et Thielen, ils ont tous les deux eu une semaine un peu agitée. Mm -hmm. uh, Thielen est touché à la cheville. Diggs euh, aussi est sorti en cours de match euh, ouais. la semaine dernière face au J'suis Seine. Je ne suis même pas sûr qu'ils soient toujours entraînés. Après, je Alors, pense que les deux seront. Les là, deux vont jouer, oui. c'est sûr. C est, c est... En tout cas, les deux ont dit qu'ils allaient jouer, mais voilà, ils ne sont peut-être pas au top de leur forme. Ouais. Peut-être que ça peut aussi. Euh, et, et une, des une des clés que j'allais te donner également, on sait que c'est les playoffs, on sait que le trash talk, ça marche un petit peu. On a vu un Stephen Dix qui est quand même un petit peu dégoupillé euh, tout seul lors ouais, du match face aux Saints. Un peu. Il va tomber sur Richard Sherman qui, en termes de trash talk et de volonté, on dirait, <laughs> on dirait à de rentrer dans la tête de son adversaire, c'est quand même pas le dernier. Non. Ça peut là aussi être un match-up. Ah, San Francisco vrai. peut poser des problèmes à, à Minnesota. Donc le rôle de Dalvin Cook... Déjà été important du côté de la Nouvelle-Orléans, fondamentalement l'est depuis le début de la saison, parce que c'est un, oui. un des meilleurs coureurs en termes de yards et de touchdowns, si, mm -hmm. si je ne me trompe pas. Les yards, je suis sûr, mais il était déjà un doute. Mais euh, sur ce match-là, en tout cas, il sera encore plus crucial pour mettre un peu moins de pression et. On va dire éviter que cette ligne défensive de San Francisco ait un rôle trop, pré trop prépondérant pour stopper l'attaque de, de Minnesota. Alors inversons les rôles euh, mm -hmm. côté Minnesota. Donc tu l'as dit, c'est une défense qui, enfin, une... ce sont deux équipes qui se ressemblent assez. Euh, la ligne défensive est un atout aussi important pour les Vikings. Il y a quand même 48 sacs réalisés cette année. Ils sont cinquièmes en termes de différentiel de turnover, euh, notamment grâce à 31 ballons volés. Mm -hmm. Donc c'est quand même une défense qu'il faut réussir à tenir aussi. Maintenant en face, comme du côté de Minnesota, il y a des armes pour y répondre, George Kittle notamment. Oui. Alors là aussi, pour avoir un petit peu analysé la chose, j'ai quand même constaté que Minnesota, contre les Titans, s'en sortait très très bien depuis le début de la saison. Et là aussi, euh, si on regarde un petit peu, justement, on va dire que c'est vraiment deux défenses qui peuvent contrer l'attaque aérienne adverse. Mmh. Et là, Minnesota, en revanche, on sait que San Francisco, ils sont capables de, ils sont capables, hein, de, de faire des, des jeux à la réception. Emmanuel Sanders, Thibaut euh, Samuel. Samuel, notamment. Et même les running backs, ils sont capables de sortir du backfield. Ça, ouais. ce n'est pas trop un souci. Mais en l'occurrence, c'est vrai que vu l'impact qu'a George, qu George Kittle depuis le début de la saison, on l'a vu sur certains matchs, forcément, notamment celui des Saints, qui permet notamment à San Francisco de s'imposer la dernière minute. Euh, que Minnesota soit capable, avec notamment une escouade de linebacker qui est capable de couvrir avec un milieu du backfield qui est très renforcé soit capable de poser des problèmes justement à cette connexion garoppolo Kittle. là déjà ça peut quand même redistribuer les cartes surtout que je trouve que Jimmy Garoppolo n'est quand même pas hyper rassurant depuis quelques matchs euh, je n'en suis jamais caché, je ne suis pas rassuré depuis le début non, de la saison non, il fait deux touchdowns, deux interceptions sur les trois derniers matchs des Niners euh, on me dira il y a deux victoires et une défaite il euh, y a une défaite contre Atlanta donc la défaite surprise à la maison il y a une victoire Ricra contre Los Angeles et surtout un match à Seattle qui gagne contre une équipe qui était quand même pas mal déplumée, on dira de, de stars et avec une défense surtout qui a, qui a été hyper décisive en fin de match donc c'est vrai que cette attaque elle me rassure pas encore complètement et on a vu que à la Nouvelle-Orléans Minnesota était capable de freiner suffisamment Alvin Kamara je te passe Forcément le cas tout le temps contre Tyson Hill. Là, ils vont quand même tomber sur un jeu au sol de comité. Ça peut changer la donne également ouais. et être un petit peu plus favorable à San Francisco. Mais en tout cas, là encore, du côté des Niners comme du côté de Minnesota, je pense que le jeu au sol va être hyper important à mettre en place. Et de toute façon, Kubiak, Shanahan, c'est deux écoles extrêmement similaires. Et je pense qu'on va essayer de vraiment mettre euh, en avant les points forts euh, qu'on marchait depuis le début mmh. de la saison, à savoir un gros jeu au sol. Et j'ai... Je, je, je mettrai une pièce sur le fait que l'équipe qui arrive vraiment à imposer son jeu au sol sur ce match-là finira vainqueur. Effectivement, quelques stats tiennent pour le jeu au sol des Niners. Euh, alors, Coleman, il a l'expérience, Steven Coleman de, de, de ce genre de match, il a déjà joué 5 oui, euh, matchs balle. de play-off, donc il connaît un, un petit peu ces enjeux-là. Mm -hmm. Et euh, Mostert, il est sur 8 touchdowns au cours des 6 dernières semaines quand même, mm -hmm. euh, donc en enlevant la semaine de wildcard où ils n'ont pas joué. Euh, donc il y a une bonne dynamique, et c'est des joueurs qui voilà, connaissent les enjeux. Qui ont peut-être eu plus d'impact au début de la saison. Je trouve, en tout cas, le jeu au sol s'est un peu affirmé. Puis euh, Garo Polo a peut-être un peu pris le relais en milieu de saison et après a laissé un peu les choses se faire. Bon, avoir euh, effectivement, euh, tu as raison, le jeu au sol va être clé de part et d'autre. À ce jeu-là, lequel des run stop te paraît le plus fort mmh, bah Minnesota, je trouve que leur run-stop est moins irrégulier la défense contre la passe. Il a des hauts moins hauts, mais des bas moins bas, c'est ça que tu veux dire Ils sont ouais, plus enfin, ils leur fourchette de, par, de. Paradoxalement, même si je trouve qu'il manque un playmaker sur le milieu de la ligne défensive, euh, encore une fois, ils ont quand même un groupe de linebacker qui est extrêmement complet en termes de placage, ça me paraît assez solide. Ils ont même des defensive end qui, je trouve, en termes de euh, D'Edge 7, on va dire, donc euh, vraiment cette capacité à bien boucler la, boucler la poche, justement pour empêcher les, les coureurs des Niners de, de, de trouver les espaces, c'est assez costaud aussi. Côté San Francisco, euh, ça me paraît un peu. Tu es hésitant. Euh, ouais, je sais pas, je sais pas. Je donnerais peut-être l'avantage à Minnesota sur ce match-là. Sur ce match-up-là, en l'occurrence, match-up à distance, après, ça me paraît pas fou fou non plus. Je pense que les Niners sont quand même plus solides et ils l'ont quand même montré depuis le début de la saison contre la passe que contre la course. Très bien, voilà pour notre première affiche de Divisional. La deuxième, ce sera dans la nuit de samedi à dimanche à 2h15 du matin. C'est Baltimore Ravens qui reçoivent les Tennessee Titans, là aussi le premier de la conférence AFC, contre le sixième. On a d'un côté Derrick Henry qui est le meilleur coureur de la NFL face à Lamar Jackson <laughs> qui est le sixième meilleur ouais. coureur de la NFL. Non mais voilà, c'est le meilleur quarterback de, coureur de, oui, de la bien NFL, bien sûr. Euh, plus sérieusement, on est, enfin, je suis et j'imagine que vous êtes pas mal à être assez curieux de voir ce que peut donner Tennessee après avoir réussi cet exploit parce que c'en est un, d'avoir euh, sorti euh, New England en, 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 en wild card. Qu'est-ce qu'ils ont réussi, qu'ils peuvent remettre en place face à Baltimore hmm. hum, hum. C'est pas du tout les mêmes équipes. Déjà, c'est pas du tout la même attaque. Bah, c'est un peu ce que j'allais dire, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a une équipe de New England qui, depuis le début de la saison, avait une défense qui augmentait clairement le niveau euh, quand même assez déficient de l'attaque. Et là, du côté de Baltimore, en l'occurrence, même si pendant longtemps la force ça a été la défense là très franchement c'est l'attaque qui est le, ah, oui. euh, la principale force mais la Et défense reste euh, forte aussi c'est ça qui est impressionnant oui, oui en tout cas elle est capable de provoquer des turnovers euh, qui a globalement limité Ryan Tannehill même s'il y a une interception euh, contre euh, enfin concédée contre Deron Harmon il me semble contre, contre New England mais en tout cas il y a cette capacité notamment avec les cornerbacks euh, de réussir à faire quelques turnovers. Ils ont quand même un backfield défensif qui est assez expérimenté. Euh, une ligne, je pense, qui est capable de mettre également en difficulté la O-line de Tennessee, qui n'a pas toujours été excellente depuis le début de la saison, même si ça va, mal, mais si ça va mieux pardon, depuis quelques semaines. Quand même. Euh, voir les plateformes de, de Brandon Williams euh, qui traîne un peu quelques petites blessures. Donc, il y a toujours cette question forcément d'Eric Henry, parce que je, je pense qu'autant Baltimore, il y a quand même plusieurs joueurs à réussir à maîtriser. À maîtriser. Euh, Mark Ingram, bah un peu touché, mais qui sera là euh, à n'en pas douter. Gus Edwards également en deuxième renfort. Lamar Jackson, forcément, euh, euh, trouver un. un joueur capable de vraiment le surveiller efficacement du côté de Tennessee. Euh, qui peut faire ça Un linebacker je... qui, qui aurait un peu d'expérience Ouais, euh, attends, j'essaie de chercher rapidement. Un Rashad Evans peut-être à cette capacité, à euh, ce, ce coffre peut-être pour éventuellement le surveiller efficacement en position de Will, mais quand même un joueur qui reste assez lourd on va dire pour vraiment surveiller un joueur aussi agile aussi feu follet que, ouais. que Lamar Jackson et puis encore une fois le gros point d'interrogation sur ce match là et je l'ai dit quand même depuis un petit moment depuis qu'on sait que Baltimore est qualifié pour les playoffs c'est savoir le visage que va montrer Lamar Jackson en playoffs c'est euh, vrai qu'il reste sur un très mauvais match l'an dernier face aux Chargers voilà. non, mais l'année la, voilà. la, n'a rien à voir avec celle qu'il a fait l'an dernier exactement et depuis le début de la saison ça aussi on a vu que mentalement il limitait vraiment un maximum les erreurs à la passe, mmh. euh, même en termes de fumble. Hein, il y a ce fameux fumble contre San Francisco qu'on euh, devant Marcel Harris, mais globalement, les pertes de balles sont quand même extrêmement limitées. Et c'est là où on va voir si les erreurs, s'il a vraiment appris des erreurs de première année, erreurs qui n'étaient pas uniquement de son fait, hein, on l'avait dit, il y avait des erreurs de coaching à l'époque, etc. Là, manifestement, Greg Roman, depuis le début de la saison, sait comment l'exploiter. Il va falloir voir comment il est capable justement de limiter ces erreurs-là contre une équipe. Que de Tennessee, qui encore une fois défensivement sans payer de mine, est capable de, de vraiment freiner une, une attaque comme elle a montré contre New England, même si encore une fois ce n'est pas le même, le même standing de ce qu'on en voit depuis le début de la saison. C'est sûr. Euh, Est-ce que Tennessee doit répondre feu par le feu C'est-à-dire, quest ce que euh, s'il voit que ça commence à partir, il faut. Je sais pas, donner le ballon à un faire que courir tout le temps, tout le temps, et essayer au maximum d'utiliser Tanil qui sort d'une très bonne saison quand même, un rating de 117,5, c'est le quatrième meilleur de l'histoire quand même pour un quarterback Donc il y a de quoi faire. Bah, j'ai pas la sensation que Mike Vrabel et surtout Arthur Smith en coordinateur offensif, malgré justement le regain de forme avec Ryan Taneel et Derrick Henry, j'ai pas l'impression qu'ils soient réputés comme étant des coachs hyper fantaisistes, on va lancer 60 ballons dans le match, j'exagère volontairement, mais... À mon avis, je pense que du côté de Tennessee, je ne serais pas étonné en tout cas que ce soit le cas, qu'on parte du principe, on va laisser un minimum le ballon à la Jackson. Et, Et on ouais, va euh, jouer vraiment, euh, de par justement les menaces qu'il y a sur le backfield défensif, on va essayer de jouer très court. En essayant de trouver dans les intermédiaires euh, des joueurs comme Edge Brown, euh, comme le, le Tyden qui a marqué TD, je crois que c'est Forkser. Euh, enfin voilà, trouver différentes petites menaces sans forcément euh, forcer le jeu, on dira, et essayer d'établir petit à petit un Derrick Henry qui, je pense, va avoir du répondant euh, physiquement contre cette défense de Baltimore. Oui, c'est possible. Mais qui, encore une fois, de par son physique, de par sa capacité à répéter les efforts, peut finir également par user ce run stop qui est peut-être pas aussi dominant que ces dernières années le départ de CJ Mosley et de ce genre de joueur a mmh. fait du mal malgré l'implantation de certains joueurs type Jeff Fort et je pense que typiquement euh, voilà du côté de Tennessee va falloir essayer d'être patient de freiner un minimum en tout cas de laisser le moins possible le ballon à cette attaque extrêmement dangereuse et après on verra ce qui se passera ce sera la, la, la comment dire la, la capacité de la défense à vraiment provoquer les, les pertes de balles mais c'est sûr que sur ce match là Baltimore a quand même plus d'expérience et a quand même un peu plus d'envergure, on dira, des deux côtés du ballon. J'allais finir par euh, ça, il euh, pas grand-chose à dire de plus, hein, euh, je crois que c'est la neuvième saison en playoff de, euh, de John Harbaugh, alors qu'en face, c'est un coaching staff qui débute, c'est euh, Tane Hill qui n'avait jamais vu les playoffs avant euh, mm -hmm. d'arriver à, à Tennessee. Et John Arbuck a gagné un Super Bowl d'ailleurs, il hein, n'y a pas si longtemps que ouais. ça, avec cette équipe des Ravens. Donc, bon, ils connaissent ce genre de match, ils savent euh, comment s'y prendre, ils ont vu euh, tout ce que pouvait faire Lamar Jackson cette année. Théoriquement, la balle est dans leur camp. A voir si euh, les Titans, en gardant le ballon peut-être, euh, peuvent euh, stopper un peu la, la frénésie offensive de, de Baltimore. Oui, oui, on est, est d'accord. Après, encore une fois, euh, la semaine dernière, on on pensait Tennessee euh, mort, entre guillemets, contre New England, même si on avait quelques doutes contre les Patriots, on se disait, là aussi, il y a cette expérience qui va sans doute jouer à leur faveur. Il y avait Alors... peut-être moins d'armes. Voilà, c'est ça. Il y avait peut-être plus de capacité, en tout cas, à freiner l'attaque de New ouais. England. Là, euh, voilà, parce qu'on n'en a pas parlé, enfin, moi, en tout cas, je n'en ai pas parlé, mais c'est vrai que la capacité également de surveiller Mark Wiesbrand, Willis Sneed, Mark Andrews sur les quelques fois où Lamar Jackson va être en mesure possiblement de les feinter sur des jeux options et va trouver des espaces. Ça va être quand même très compliqué, même si le backfield si back défensif de Tennessee n'est pas le point faible. Non, Ils ne pourront clairement Ils pas sont être partout. Bons ouais. joueurs mais ça leur fera une bonne expérience euh, troisième match Kansas City Chiefs Houston Texans c'est dimanche à 19h05 euh, figure-toi que c'est la troisième fois seulement de l'histoire de la NFL enfin depuis que ce format existe donc en 90 je crois euh, qui a deux cubés de moins de 25 ans qui s'affrontent en divisional round donc mmh. quand même, euh... genre de la même QB d'ailleurs euh... tous deux draftés derrière euh, oui. Mitchell Trubisky oui parce que le piège c'est que Mahomes débute pas sa première saison oui mais euh, effectivement, ils sont draftés la même année. Euh, les Texans qui sont venus gagner en octobre 30 à 24 à Kansas City, c'est une petite mmh. surprise. Et, et la semaine dernière, c'était seulement la deuxième victoire de Houston de leur histoire en playoff. Bon, la franchise est certes jeune, mais euh, bon, voilà, il n'y avait quand même pas des tonnes et des tonnes d'expérience non plus. Euh, bon. Même si voilà, la semaine dernière, ce n'est peut-être pas le match le plus beau de l'année pour Houston. Euh, là, ils affrontent une équipe et un coach bien plus expérimenté. On parlait tout à l'heure de John Arbo. Andy Reid, c'est sa 15e apparition en playoff. Mm -hmm. Donc là aussi, il y a du monde. Est-ce que la clé pour Houston, euh, ça ne va pas essayer de, pro de profiter un peu de feu, à la largesse, parce qu'ils sont moins mauvais maintenant Mais les, on a vu par le passé que les défenseurs de Kansas City aimaient bien prendre des yards dans la vue. Ça ne les dérangeait pas forcément. Là, pour Houston, je pense que tu n'as pas 36 solutions, il faut, faut envoyer. Bah, tu vois, j'ai un peu envie de dire, c'est forcément les mêmes ingrédients que tu dois essayer d'avoir que, que Tennessee, à savoir donner le moins possible le ballon à Mahomes, parce que Watson a cette capacité d'enflammer le match comme Mahomes. Euh, offensivement, Houston est capable de rentrer dans un espèce de shut-out avec, avec les Chiefs. Maintenant, est-ce que c'est vraiment dans l'intérêt de Houston de le faire J'en suis pas persuadé. Quand on voit la forme des Chiefs ces dernières semaines, euh, Mahomes avait fait son pire match de la saison en, en, en saison régulière justement contre Houston. Mais est-ce m'a très oublié de vérifier Il a, alors il a au moins démarré, mais il était dans cette fameuse période où il était mm. blessé à la cheville où forcément il était extrêmement diminué. Donc c'est pas dévaluer la victoire de Houston à l'époque, mais bon. on peut pas dire très clairement qu'ils ont joué un Patrick Mahomes qui était à 100% à l'époque. Euh, à l'inverse, il y a un Dishon Watson qui a été excellent en match de saison régulière contre les Chiefs. Qui avait subi relativement moins de pression, qui reste sur un match où il a fait le plein de confiance, notamment en permettant à Houston de s'imposer. Maintenant, sur un match où on doit laisser le moins possible le ballon à Mahomes, il faut aussi compter sur un jeu au sol relativement efficace. Et Houston n'a pas d'Eric Henry. Bah C'est ça. J'aime bien Carlos Hyde, mais il a été assez irrégulier depuis le début de la saison. Et est-ce que vraiment ils ont cette capacité à garder suffisamment la balle c'est pour ça, est-ce que tu ne veux pas essayer de forcer Mahomes justement à essayer de te suivre Parce qu'il peut, notamment, il a des armes pour. Il peut, mais j'ai peur que sur la distance, Houston n'arrive pas forcément à tenir. On a vu que... Alors c'est sûr que la défense des Chiefs, ce n'est pas la défense des Bills, et il n'y aura peut-être pas 7 sacs de la part de Kansas City, encore que je trouve qu'ils sont quand même meilleurs pour générer de la pression ces dernières semaines. Il ne faut pas oublier qu'ils ont rajouté quelques ajouts intéressants, Tilte Alex notamment, qui lui aussi s'y connaît en termes de playoffs. Euh, et c'est sûr que, J encore une fois, sans doute que Houston, et peut-être que ça va être euh, préconisé par Bill O'Brien, de partir justement dans ce duel offensif, de tester justement ce backfield, ce backfield défensif, décidément je m'embrouille un peu là-dessus, ce, ce backfield qui a quand même été un gros point faible depuis le début de la saison, il y a moyen, et on en parlera tout à l'heure, que les receveurs de Houston éventuellement... Euh, euh, voilà, euh, soit 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 mis, euh, on va soit utilisé euh, correctement <laughs> à profit. Mais j'ai un peu peur que sur la distance, cette équipe de Kansas City, quand on voit comment les Texans ont sorti les rames contre Buffalo, euh, qui offensivement parlant, qui leur a euh, les rames, hein, Buffalo, euh, proposait pas énormément de choses. J'ai un peu peur que là, contre les Chiefs, avec un Mahomes qui va, pour parler de manière un petit peu trop imagée, va sentir l'odeur du sang. <laughs> J'ai peur que vraiment les erreurs, parce que là en l'occurrence le backflip défensif de Houston ne me rassure pas à 100% non plus. J'ai peur que les erreurs défensivement du côté de Houston soient payées cash. Est-ce que le sauveur n'est pas JJ Watt, Captain America <laughs> Non, évidemment, je, je force le trait pour faire plaisir à tous nos amis fans de JJ Watt, mais on ne peut pas nier qu'il a eu un impact oui, oui, la oui, semaine mais... dernière. Ah non, mais ça c'est indéniable. Ça, ok, la prod en fait beaucoup sur lui, ils sont contents qu'il soit là, très bien, mais n'empêche que si il arrive à arrêter Mahomes une fois même toi un sac peut-être même une, un plaquage pour perte ou quoi est-ce que ça peut pas mettre un petit grain de sable qui peut permettre aux si Texans de prendre l'avance Si tu veux, son rôle pour moi a forcément été prépondérant la semaine dernière, mais on est dans deux contextes totalement différents. La semaine dernière, ils sont au Energy Stadium avec une équipe de Houston, etc., euh, bon, qui, qui a fait une fin de saison régulière un petit peu compliquée, mais qui en tout cas euh, qui prend la division, donc qui est un peu en a, a été galvanisé, mmh. puisqu'en ouais. plus quand il fait les jeux, on est à 0-16, Houston reprend un petit peu de momentum, etc., etc. Mmh. Là, on est dans un contexte qui est quand même totalement différent à l'extérieur. Alors, je ne dis pas que son rôle ne va pas être important pour ses coéquipiers, etc. Mais je pense que déjà, on ressentira peut-être moins cette folie du côté des Texans. Et ça mettra peut-être moins le doute dans la tête des Chiefs que ça a pu en mettre notamment dans la tête de Josh Allen dans, dans le quatrième quart des, du, du tour de, de White Card. Donc Moins d'expérience aussi. C'est ouais. là-dessus où, encore une fois, euh, je le dis, hein, Houston va pas... Enfin, à mon sens, je ne vais pas balancer mes pronostics tout de suite. Et je vois pas Houston perdre de 30 points. <laughs> mais encore une fois... Offensivement, j'ai du mal à m'imaginer, à me figurer vraiment la stratégie qui peut leur permettre de mettre vraiment et durablement cette équipe de Kansas City en difficulté, même si en défense, et on ne va pas se leurrer malgré la, la, la très bonne période de Kansas City, il y a des points faibles qui sont parfaitement exploitables de la part de Watson. Très bien. Euh, voilà pour ce troisième match et alors le dernier match euh, Seattle Seahawks contre Green Bay Packers. C'est un horaire un peu bizarre. C'est dans la nuit de dimanche à lundi à minuit quarante. Oui, ils, en fait ils ont pris des horaires de finale de conférence pour le dimanche. Je sais pas c'est Ouais. Là, euh, un peu bon, ben bah, voilà, comme ça, vous voulez vrai t'arme. Pour lundi être matin. sûr de pas le voir, pour ceux et qui se qui <laughs> lèvent voilà. le lendemain. C'est dommage. Bon, pour une fois, on aurait pu en profiter, mais tant pis. Euh, la dernière fois que ces deux équipes se sont jouées en playoff c'était en 2014, il y a cinq ans. Souvenez-vous, oh, oh, oui. avec le fameux unside kick qui Bra prend... entre les mains de Brandon. Exactement, Brandon exactement je me souvenais mais j'ai quand même vérifié et effectivement quand tu revois l'action c'est un peu triste pour lui quand même mais bon euh, Marshall Lynch tiens on est à 10 touchdowns en playoff en carrière il n'est ouais. plus qu'à deux unités de euh, Terrell Davis et John Riggins de Hall of Famers euh, il le sera sûrement hein probablement. On aime bien faire des petits points à la Je vous verrez que c'est dans l'actualité du site. Est-ce que c'est une bonne idée de le faire Est-ce que c'était une bonne idée de le faire revenir, rien que pour ce qu'il a pu amener la semaine dernière et ce qu'il est possible d'amener sur ce match On voit qu'il apporte toujours cette énergie avec son touchdown qu'il a marqué notamment contre, j'ai déjà oublié l'adversaire, contre Philadelphie. Les fans des Eagles, C'était parce qu'ils n'étaient pas glorieux, mais non, non, mais bon, en l'occurrence, voilà, on a vu qu'il apporte quand même ce physique euh, qui n'est pas trop euh, du côté de Seattle pour marquer son territoire. Après, euh, j'ai toujours des réserves, si tu me poses la question. J'en avais l'année dernière quand il a signé euh, chez les Raiders. Ce n'est pas maintenant, alors qu'il a fait quasiment une année blanche, euh, le fait qu'il revienne à Seattle. Là encore, on parlait de contexte tout à l'heure. La semaine dernière, il joue... Enfin, euh, en tout cas, quand il revient, il joue contre les 49ers à la maison, etc., etc. La semaine dernière, il joue quand même une équipe qui a été extrêmement irrégulière de toute l'année. Là, il joue quand même une équipe qui est un peu plus aguerrie à l'extérieur, au Lambo, où là, l'ambiance ne sera clairement pas en faveur des Seahawks. Pas trop. Pff, très, très franchement, je, je, reste, je reste quand même mitigé là-dessus. Euh, euh, oui, après, on voit encore une fois que cette équipe de Seattle, malgré les, les nombreux bobos qu'il y a au sein de l'équipe, bon, globalement, c'est une équipe qui va se battre jusqu'au bout. Et à l'image du match de, de, 2000, de 2014, il ne faudra clairement pas les enterrer jusqu'au bout, surtout de ce que nous montre Green Bay depuis le début de la saison. Et du fait qu'on a encore beaucoup de points d'interrogation, notamment au niveau de cette attaque. Alors, on ne va pas commencer à par parler de l'attaque, on va parler de la mmh. défense d'abord, puisque euh, paradoxalement. Est-ce que c'est cette défense qui peut faire gagner Green Bay pour étayer ta future réponse Je te donne quelques éléments de, de stats. Tu as deux joueurs à plus de 12 sacs, Zadarius et Preston Smith. Enfin, Zadarius Smith et Preston mm -hmm. Smith, qui ne sont pas frères, mais quand le même nom, ça arrive. Euh, le deuxième meilleur plaqueur de la ligue, qui est Blake Martinez, le linebacker. Et euh, tu as les cornerbacks euh, J.R. Alexander et Kevin King, qui tous les deux sont à 32 passes défendues sur l'année. Donc, c'est une défense qui pèse. Littéralement ouais. euh, sur le match, elle pèse, de... elle pèse dans le game. Quoi. Elle pèse dans le game. Ouais. Euh, Est-ce que c'est ça qui te fait gagner ce match-là et peut-être voir un peu plus loin euh, En tout cas, à mon sens, oui, il y a quand même cette possibilité du côté de Green Bay euh, où on sait que Mike Pettin s'est un peu loupé sur certains matchs. Euh, je pense encore et toujours à ce match de saison régulière euh, contre les Eagles à domicile, mais globalement, euh, voilà, cette défense de Green Bay, elle est vraiment capable de de, de, de serrer les tons, on dira, autour de cette attaque. Et c'est ça, d'ailleurs, qui m'inquiète pour Seattle, c'est qu'encore une fois, hein, Russell Wilson va faire du Russell Wilson, va être capable de se débrouiller éventuellement pour prolonger les jeux et pour aller chercher des forces d'armes. Euh, Dicky Metcalf va sans doute être sollicité sur le jeu profond, vu qu'en plus, euh, voilà, on va dire, il a, la, il a la main chaude avec notamment euh, euh, son match important euh, fait du côté de, de Philadelphie. Maintenant, c'est vrai qu'il y a du répondant en face. Euh, il va tomber sur un Kevin King euh, qui qui a quand même le gabarit pour essayer de l'enquiquiner un peu, pour jouer en presse, pour, pour le secouer un petit peu. Donc c'est sûr que ce match-up-là, avec en plus en face le match-up entre Jair Alexander et Tyler Lockett, où ça va jouer un peu plus dans l'explosivité, dans la vitesse, et où ça reste peut-être assez excitant, mais où ça peut également tourner à l'avantage du cornerback de Green Bay, c'est là déjà où Seattle, je pense, à la passe, même avec un Russell Wilson capable de faire des, des miracles, ça peut se compliquer. Mmh. Et où là, en l'occurrence, on peut sentir beaucoup plus de pression sur Marshon Lynch, et contre une équipe de Green Bay qui, en effet, est capable, notamment sur le run-stop, avec une ligne défensive, à l'image d'ailleurs de la O-line, qui ne fait pas beaucoup de bruit, mais qui est, qui est vraiment très très efficace, les, les pass rushers dont tu parlais tout à l'heure, qui s'en sortent également très bien sur le run-stop, ça peut, quand même, à terme, je pense, contre une équipe qui n'a marqué que 17 points, entre guillemets, contre les, les Eagles. Quand cette défense des Packers qui est quand même extrêmement solide et quand elle se met en format playoff, on l'a vu du côté de Minnesota, peut être extrêmement dangereuse, ça peut quand même être quelque chose d'assez compliqué et je suis quand même relativement inquiet pour cette attaque de Seattle à l'horizon de ce match. Alors, est-ce que la défense de Seattle, du coup, question inverse, peut euh, bloquer euh, l'attaque de euh, Green Bay Quelques éléments, encore une fois, de stats. Aaron Rodgers, qui a quatre touchdowns en playoff, dégale Peyton Manning, et qui serait donc le quatrième euh, meilleur marqueur Écidément de. Décidément, il l'égale tous cette saison, saison ouais, il est Et Aaron Jones, qui sort d'une excellente saison au sol. Il y a quand même des arguments du côté de Green Bay. Mm -hmm. La défense de Seattle, même si elle n'est plus aussi dominante qu'elle a pu l'être au moment des, des Super Bowls joués, reste une référence en effet, notamment en termes d'expérience et de joueurs qui ont cette expérience des playoffs. Euh, là aussi, il y a un, un match-up qui est serré. D'ailleurs, de toute façon, ce match, j'ai l'impression que c'est le plus serré des quatre du week-end. Je vais mettre un deuxième derrière le San Francisco-Minnesota. Bon, je vais ah mes arguments tout à l'heure, mais. Euh... Offensivement, euh, c'est sûr que cette équipe de Green Bay, euh, on ne sait jamais trop quel visage elle va montrer. Après, c'est vrai que c'est ce que je disais un petit peu euh, à demi-mot en parlant de la défense. C'est vrai que j'ai souvent été critique, notamment sur le côté un peu irrégulier d'Aaron Jones, sur cette, euh, voilà, sur, sur cette sensation qu'Aaron Rodgers, au tournant de la saison, n'avait pas forcément cette assise qu'on pouvait retrouver euh, ces dernières années. On prend un petit peu d'âge et puis. Euh voilà, mais on sent en tout cas que des fois niveau timing, euh, c'est pas ce qui est, est pas ce qui est plus optimal. Après, je trouve que cette ligne offensive est peut-être pas suffisamment mise en avant. Il y a quand même un boulot assez un solide qui est fait. Euh, Il y a tout à fait. Il y a le rookie Elton Jenkins qui s'est fait une, une très bonne place euh, au poste de garde, euh, qui, enfin, qui vraiment donne pleinement satisfaction du côté de Wisconsin. Donc très franchement, cette équipe-là dans les tranchées va falloir aller la chercher. Et on sait que Seattle. Sur la ligne défensive, même s'ils ont eu quelques petits soucis en début d'année avec pas mal de blessures, ce n'est pas l'équipe qui est forcément capable de mettre énormément de pression sur le quarterback cette année. Plus même s'il si, ouais. voilà, y a eu deux sacs de Quinton Jefferson le week-end dernier qui ne sont pas à mettre de côté, même s'il y a un Jelly Von qui est capable, bien entendu, Premier de secouer sec euh, en un dernier, petit peu euh, l'ami. La Darren Rodgers. Darren Rodgers, merci. Euh, mais en tout cas, c'est sûr que ce match-up-là, également, me pose un petit peu question pour Seattle. Mais il va quand même falloir, du côté de Darren Rodgers, euh, montrer vraiment le visage playoff, se mettre en mode playoff. Et pour l'instant, depuis le début de la saison, ça reste quelque chose qu'on a encore du mal à voir. Donc, euh, je te dirais, avantage Packers quand même, là encore, selon moi. En tout cas, ils ont cette polyvalence qu'ils sont capables d'utiliser à escient avec un Aaron Jones en plus qui peut sortir du backfield. Mm. Mais il euh, va falloir le montrer contre une équipe de Seattle qui peut se montrer opportuniste quand, quand il y a besoin de le faire. Très bien, et eh bien voilà pour les clés euh, sur les 4 matchs de Divisional Round. On va maintenant passer au prono. Six minutes, win this game for one another un rapide point sur les pronos, quand même, puisque certes, il n'y a plus que 4 matchs à pronostiquer chaque semaine, mais euh, il y a beaucoup de points en jeu, puisqu'il y en a deux par match. La semaine dernière, on fait tous 4 points, sauf malheureusement Camille qui fait un 0 pointé. Oh là là, aïe, aïe, moche, aïe. Il n'a pas cru aussi, Ox Oui, ouais, alors il ça, a fait une Grégory. Il me, il me vole ma stratégie. Stipeur, ça. Mais je le dis depuis le début des playoffs, hein, qu'il me vole vrai. mes stratégies. Hein. <laughs> Ce qui donne aujourd'hui Greg <laughs> à 166 points, Alain deuxième à 164, Raphaël à 163, je suis à 160 et Camille à 153. Donc tout est encore possible euh, si euh, bah, voilà on commence un peu à réfléchir euh, stratégie et qu'on essaie de contrer un pas peu le les injures de la maison. Hein. Non c'est pas d'ingurs. Euh, du coup Greg tes pronos euh, sur les quatre matchs. Donc le premier 49ers Vikings. Moi je vais prendre les 49ers. J'avoue c'est euh, calculé comme j'ai vu que Alain avait mis les 49ers. Je veux pas perdre trop de points donc je prends 49ers. Pff, moi comme je dis je suis en mode yolo c'est pas grave <laughs> mais. Euh... C'est un match que, je l'ai dit, qui pour moi est le plus accroché sur Assez le papier. J'y vais quand même avec, avec Minnesota parce que Ouh. je pense qu'ils ont les moyens de mettre en difficulté cette attaque de San Francisco. Il serait la sixième équipe classée sixième à passer en euh, finale de conférence. Ce serait beau. Euh, Ravens contre Tennessee Titans. Là, les Ravens sont quand même assez favoris, même si les Titans ont du répondant avec des réconneries, ça va être compliqué pour eux, je pense. Oui, Ravens pour moi. Ravens également. Chiefs, Houston's, euh, Chiefs contre Texans, en l'occurrence. Euh, pareil, les Chiefs ont beaucoup d'arguments en leur faveur. Tu l'as dit, même si les Texans se mettent en mode shutout, ça va être compliqué de tenir la distance. Les Chiefs ont l'air assez favoris, en plus à la maison. Les Chiefs aussi. Ça fera une bonne expérience pour les Texans. Et enfin, Seahawks euh, contre Packers, le dernier. Là j'ai pris les Seahawks, mais là c'est pour essayer de gratter un point justement. Je suis moins convaincu, mais bon, il y a l'expérience qui, pré... qui pêche en leur faveur, qui voilà, dans leur faveur, pêche en leur faveur, ça ne veut rien dire. Il y a Aaron Rodgers qui est peut-être un tout petit peu moins flamboyant qu'il a pu l'être par le passé. On n'a pas parlé du coaching, mais c'est sûr que Matt bah... Lafleur, première année en tant que coach NFL contre un vieux de la vieille comme Pete Carroll, ça peut faire la différence à un moment donné aussi. Faut même. pas arriver, la fleur au fusil. Euh... <laughs> évidemment Bravo. merci à tous. Merci. Euh, bon Les Seahawks, donc voilà, pas forcément hyper convaincus, mais il faut que je prenne tes points. Packers pour moi. Packers pour toi. Voilà pour les pronos. C'était expéditif, mais bon, il n'y a plus que 4 matchs. Et on passe tout de suite aux meilleurs cotes avec notre partenaire Unibet. <music> Comme il n'en reste plus que 4 matchs, on a décidé de pronostiquer sur les 4 matchs pour vous donner un, un petit euh, euh, combiné sympa. Alors, ce qu'on va faire, c'est comme d'hab, on va donner chacun une cote, il y aura deux cotes bonus, vous allez voir. Greg, quelle est ta cote bah écoute, je vais être un peu répétitif, mais euh, du coup Vikings à 3.50, euh, équipe qui je pense a un peu plus la capacité d'installer son jeu au sol. Et en tout cas de mettre un petit peu moins de pression sur sur Kirk Cousins sur cette euh, partie-là. On a vu que la défense vraiment de Minnesota s'était mis en mode playoff du côté, de, les, du côté de, Orléans, de du côté de la Nouvelle-Orléans pardon. Ça ne présage rien de la défense de San Francisco hein, qui, dont on connaît le niveau de la ligne défensive. Mais en tout cas cette équipe de Minnesota euh, me paraît un peu plus complète de ce que j'en vois en tout cas euh, ces dernières semaines. On va dire. Donc 3,50, c'est une belle cote, mais c'est normal, ils ne sont pas favoris, ils sont à l'extérieur, donc en play c'est encore plus difficile. Les Niners à 1,28, on sent qu'il y a une petite différence sur Unibet. Les Seahawks à 2,65, ça c'est ma cote à moi, euh, qui joue les Packers à Paris, à Green Bay, mais euh, bon, bah, je les ai pronostiqués, il faut bien que je <laughs> fasse semblant d'être cohérent dans ce que je dis pour être un peu crédible. Euh, honnêtement, l'expérience prêche pour eux. Ah mais ça fait deux fois que je le dis, je suis fatigué. Euh, ils ont de l'expérience. Ça va, on va comme la panacée, hein, ça, va ça, dico, ça. ça va devenir mon truc. Euh, et euh, bon, 2,65 c'est une belle cote aussi. Et la cote bonus, donc on vous a choisi deux scoreurs, un dans chaque match des matchs AFC. En l'occurrence, Mark Andrews chez les Ravens qui est à 2,25. Mm -hmm. C'est une belle cote. oui c'est quand même un lieutenant assez solide de la Mar Jackson depuis le début de la saison. Ouais. Et surtout DeAndre Hopkins à 2,28 lui aussi oh, oui. qui est une belle cible pour Leshon euh, Watson. D'autant plus que Will Fuller ne joue pas, je crois. Bon, il traîne un peu la patte bon, depuis plusieurs semaines. Watson est une belle euh, une belle tout ça marque un TD non contre les Bills. Ce n'est pas lui qui marque le TD qui relance Houston, je crois, je bien si. Euh... Bon, En tout cas, c'est là aussi en termes de gassure, euh, même si on sait que le terme dans ma bouche est un peu galvaudé. mais. Euh, on... A priori, il y a de quoi faire. Les Vikings à 3,50 et Seahawks à 2,65, Marc Andrews à 2,25 et DeAndre Hopkins à 2,28 pour 10 euros misés. Ça vous fait 487,46 euros de gain potentiel. On fait quand même un petit YOLO Allons-y. Et pour le YOLO, on n'a pas été trop loin. On s'est dit, on va prendre les quatre euh, plus grosses cotes des euh, quatre matchs. Donc on garde Minnesota à 3,50, on garde Seattle à 2,65, on rajoute Tennessee à 4,25. Et on rajoute Houston à 4,25. Mm -hmm. C'est un YOLO. C'est le but. Ah bah là, ça, ça va nous donner une des finales de conférence, messieurs-dames. <laughs> euh, Je piquer des hannetons. Tout ça euh, pour 10 euros misé, ça ferait 1716,93 euros. C'est bien 1716, c'est un gros YOLO. Hein. Ah bah ça. Euh, mais bon, ben bah voilà. Euh, le terme, you only live once. Voilà pour euh, les cotes de la semaine de Division Round avec notre partenaire Unibet Et voilà pour l'épisode 337 du podcast Touchdown dans l'actu. Merci de nous avoir suivi Merci Greg. Un Merci Camille, évidemment. Euh, pour la suite, c'est comme d'habitude. Alors euh, oui, je voulais vérifier avec Alain quand est le fauteuil. Bah, je crois que c'est samedi, mais je suis plus sûr. Donc euh, il y a un fauteuil. Hein il a pas fait dimanche dernier Ah, dimanche 20h, elle on elle me souffle dimanche. dans l'oreillette. Eh bien, 20h. Ouais. C'est qui a fait les diners, ça. Euh, dimanche 20h. Mais ben oui. À 21h, ils jouent 21h, ils ont décalé le match ce dimanche. Ils font ah. 21h minuit. Mais non, c'est 19h justement. C'est mmh. 19h et minuit. Je crois pas moi-même bah J'ai 21h 21h30 bon, ah ben le, nous le premier match. C'est notre devoir de vous informer et nous ne le ferons pas ce soir. Après, si Alain <laughs> veut faire un fauteuil en plein milieu du match contre. Bon, c'est une, une heure avant le city début. city et Houston, il a le droit. Hein. Une heure avant le début du premier match et euh, mardi, évidemment, pour le débrief. Enfin, ça, vous avez l'habitude. On est sur Twitter @touchdonactu, @tedactu. On est sur Instagram @touchdonactu, @tielloradiosa pour mm -hmm. Greg, @camissaraben pour Camille, @raoulvdg pour moi-même. L'émission du jeudi qui vous est présentée par Unibet, le détour obligatoire pour les paris en ligne sur la NFL. Il n'y a pas le choix, vous êtes obligés de vous inscrire c'est maintenant allez-y euh, n'oubliez pas aussi que vous pourrez en profiter pour suivre les matchs en direct depuis le site d'Unibet merci à tous encore une fois d'avoir été avec nous pour ce podcast de preview très bonne semaine de euh, match à bientôt bisous les meilleurs jeux de mots, tout sur le foutu Est en TDAQ Le mardi, le jeudi, Tel gâteau Horizoto, les meilleures recettes En TDAQ fameux pour JJ Watt marche pour Marshall Lynch Proclash, Belbecam, Beckham, Tom Brady, Quarterback Calais sur le fauteuil Option Madame Irma, à la fin On compte les points et on finit En requin